Mais pour l'heure, je vous propose d'aller à la découverte d'un autre groupe, les Nice Price, à Montreuil-sur-Mer. Un groupe qui se produira dans la nouvelle édition de Rock en Stock, les 28 et 29 juillet, à Étaples le Touquet. On y va, et tout de suite après, on retrouve nos amis, les Super Clippers. The Nice Price, c'est leur nom. En référence aux stickers que l'on pouvait trouver dans les années 90 sur les CD à petit prix, ces albums de légende qui n'étaient pas des nouveautés. Cela fait 15 ans que le groupe joue sur toutes les scènes de la Côte d'Opale dans son registre de prédilection, le rock 70s. C'est un mélange de AC/DC et les Who. On trouve que cette musique des années 70, il n'y a pas eu de musique supérieure depuis, donc on aime ce son-là. On a les amplis pour, c'est exactement ça, on a les guitares, c'est pareil. La voix de ce monsieur, c'est pareil. Il n'y a que lui, en fait, Jean-Baptiste, le nouveau batteur qui a une technique moderne et qui a donné un coup de jeune au vieux briscard. Dans ce groupe, il y a deux solistes, c'est lui et lui, David et Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'ils ont une place, on laisse beaucoup de place aux deux solistes et nous on s'occupe de la rythmique. Voilà. Et le chanteur qui on le laisse... Je virevolte. Voilà, on le laisse faire ce qu'il veut et puis il s'occupe pas mal du public aussi. Un public de fidèles qui y trouve son compte. Plutôt que d'écouter un vieux vinyle des Who ou de Hendrix, mieux vaut se faire plaisir avec de la musique live. Chaque fois que The Nice Price donne un concert, 500 à 1000 personnes font le déplacement. Ambiance garantie donc pour leur presta au festival Rock en Stock.